mort. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je t'avais bien dit qu'on pourrait atterrir dans la cour incognito. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde est tellement pressé d'aller en cour que personne ne nous a remarqué. Ça, c'est ce que tu crois. Mandy? Eh oui, c'est comme ça que je m'appelle. Ça me fait plaisir que tu t'en souviennes. Oui, enfin, je préférerais l'avoir oublié, mais t'es un vrai pot de colle. Dites, les bécasses, à quoi vous jouez, là? Vous essayez de vous infiltrer dans le bureau du proviseur pour changer vos notes ou vous répétez une scène du prochain Mission Impossible? On s'est inscrite à un club de parachutisme. Ça n'a rien de secret, c'est ouvert à tous. Non, c'est vrai? Mais c'est que ça m'intéresse. Ah, oh, quel dommage, les inscriptions sont closes pour cette année. Si une place se libère, on t'appelle, promis. C'est quoi ce bruit, là? Bah, la sonnerie des cours. Hé, les copines, vous pourriez me donner un petit coup de main? Ça y est, Mandy. Tu veux parler de ce bruit-là? Bah, c'est la sonnerie de mon portable. Oui, avec écran plasma et vidéoprojecteur. Non, je suis toujours la première à acheter une nouveauté. Je n'ai jamais vu ce truc-là. T'as qu'à tirer sur la poignée de ton harnais, Alex. Allez, cette fois-ci, ça suffit. Vous me cachez quelque chose, les bécasses, parce qu'aucun tissu au monde ne peut résister à une chute pareille. Sauf cette nouvelle microfibre qui vient de Paris. Toutes les boutiques à la mode en vendent. Quand tu veux, tu renouvelles ta garde-robe, Mandy. Attention, tu vas être en retard. Allez, à plus tard. Ciao. Salut. C'est ce qui s'appelle s'en sortir de justesse. À partir de maintenant, on oublie le parachute, même si on a 2 heures de retard. Bonjour, mademoiselle. Jerry, ce n'est pas le moment de nous renvoyer en mission. On a beaucoup d'examens, figurez-vous. Désolé, les filles, mais on nous signale des disparitions d'étudiants au nord-ouest du Canada. Les révisions attendront. Il faut qu'on aille enquêter dans les repères d'étudiants. Je sors une liste des cafés fréquentés par des étudiants aux environs de la faculté. Oui, Gladys, j'allais justement vous demander d'établir une telle liste. Liste terminée. Burger Palace, Fanny Fraise Connexion, Tasse de Rêve. Bingo, c'est celui-là. Tasse de Rêve? Comment tu... Un peu de bon sens. Un établissement qui concurrence Café et Compagnie, ça cache forcément quelque chose. On va avoir quoi comme gadget pour cette mission, Jerry? Vous disposerez de vos skateboards aériens à réaction. De boucles d'oreilles micro-com ultra-sensibles. De bracelets mini-charge. Et de la toute dernière invention de notre bureau d'études, la seconde peau. Ah, super, cette tenue! J'en veux une pour la fête de fin d'année! Elle est parfaitement étanche et rejette activement toute substance externe. Je savais que vous me cachiez quelque chose, les bécasses! Vite, Jerry, emparez-vous d'elle! Reprogrammez son cerveau! Plaquez-la au sol et faites-lui une coupe en brosse! Bah quoi? Ça te fera pas plaisir? Vraiment très impressionnant. Personne n'avait encore réussi à s'infiltrer dans le QG du Whoop. Le Whoop? C'est quoi ça? Un club pour dingue en tout genre? Non, c'est une organisation qui veille à la sauvegarde de l'humanité. Nous venons en aide au monde. En secret, bien entendu. Alors, vous êtes un genre d'espion, quoi? C'est bien ça. T'avances pas, espion boule à zéro, j'ai des ongles manucurés. Crois-moi, je sais m'en servir. Une vraie lionne. Et encore, j'ai pas mis mes talons aiguilles. Et le sens de la répartie, en plus. Ça vous dirait de rejoindre notre équipe? C'est la candidate idéale. Cela fait des semaines que je cherche une nouvelle recrue. Sans compter que sa formation sera largement facilitée du fait que vous vous connaissez déjà. Vous me proposez une combinaison, des voyages en première classe, un téléphone super branché et je continue à torturer ces bécasses? Oh, je signe tout de suite. Simple, Mandy. Tu n'as qu'à te servir de ta grosse tête comme gouvernail. Ah, de
d'abord, c'est quoi ce sac à dos ridicule digne de la maternelle? Il va pas avec mes chaussures. Ah, je peux pas croire que Jerry nous l'ait mis sur le dos. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. J'espère que Jarvis a gardé le ticket de caisse du jet propulseur, il a un défaut. Jerry, ça m'est égal. Enlevez-moi cette tondeuse à gazon qui me sert de réacteur immédiatement. Soit t'arrêtes de te plaindre, soit on te l'enlève et tu tombes, c'est comme tu veux. Ah, le moment est venu de se fondre dans la masse. Oui, autrement dit, on va se mêler à la foule des étudiants. C'est tombé. Jamais vous ne me ferez porter un truc pareil, c'est hors de question. Alors pourquoi t'as accepté? Au travail, il vaut mieux se séparer. Sam, tu vas derrière le rideau de perles. Alex, tu passes en revue la salle. Quant à moi, je m'occupe du bar. Et Mandy dans tout ça? Où elle est passée? Salut. Un cappuccino allongé avec beaucoup de crème. On n'est pas venu ici pour le café, Mandy. Au cas où tu l'aurais oublié, on est en mission. Primo, la recherche du parfait expresso, c'est une vraie mission. Deuxio, j'allais questionner le barman à propos des étudiants disparus. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis une espionne. On ne pose pas de questions comme ça. Alex, garde un œil sur elle. Moi? Pas question. Sam, tu la surveilles. Oh, et puis quoi encore? Clover, c'est ton idée. Bon, on va tirer à la courte paille. Désolée, Alex. Si on ne la surveille pas, on ne finira jamais cette mission. Bon, d'accord. Rien à signaler au bar. Et de ton côté, ça va, Alex? À part que je suis assise à la même table que Mandy, ça va, y a rien à signaler. Ça va de ton côté, Sam? Là où je suis, y a plus d'issue. Hey, c'est bon, je viens de découvrir un passage secret. Ce petit bijou, c'est le percolateur 9000. Bonjour. En fait, je cherchais le salon VIP et j'ai dû me tromper de porte. Laissez-vous aller, baignez-vous dedans. C'est un régal jusqu'à la dernière goutte. Ah non, c'est gentil, on m'attend là-haut. Moi, je dis qu'on vous attend dans cette cuve. Alex, j'ai perdu le contact avec Sam. Moi aussi. Mandy, t'es toujours en liaison avec Sam? Oh, pitié, j'ai retiré ses boucles d'oreilles depuis des heures. Ça jurait trop avec le rose de mon pull. On peut bien se trouver le passage secret. J'en sais rien, mais j'ai ma petite idée pour le trouver. Vraiment assez de cette affaire. On peut rentrer maintenant? Écoute-moi, Mandy, notre meilleure amie a disparu. Alors où tu nous aides à la retrouver ou fais bouillir ta garde-robe haute couture à 90 degrés? T'es pas cap? Tu paries? Sam, tu te caches où? Sam! Je vous aide, je vous aide pas. Faudrait savoir à la fin. Ma patience a des limites. La boucle d'oreille de Sam. Bon, ça va, hein? C'est pas parce qu'on a refait la déco de votre couloir à la dynamite qu'il faut en oublier les bonnes manières. On ferait mieux d'appeler Jerry. Comment se déroule la mission? Oh, c'est l'horreur. Mandy nous tape sérieusement sur les nerfs et on a perdu Sam. Ça fait beaucoup. On a retrouvé sa boucle d'oreille, elle est carbonisée. Pauvre Sam, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Impossible de vous répondre, mais je vous conseille de rentrer. Hors de question qu'on abandonne Sam. Je sais que c'est très dur pour vous, mais il faut analyser cette boucle d'oreille et vous ne pouvez rien faire de plus pour ça. C'est pas trop tôt!
Ça devenait aussi palpitant qu'une partie d'échecs contre Clover. J'arrête pas de penser à Sam, c'est insupportable de pas savoir où elle est, si elle va bien. Tout ça, c'est à cause de Mandy. Si j'avais pas été obligée de la materner, j'aurais pu intervenir à temps. Pourquoi est-ce que Jerry nous fait endurer ça? C'est la pire des punitions qu'on ait jamais... Salut, mes petites sœurs espiennes. Sérieusement, je vous trouve un peu trop coincée pour des agents secrets. Allez, quoi, relax. En fait, dans agents secrets, il y a secret, Mandy. Du genre, si tu dévoiles nos identités, on peut ranger nos combinaisons et dire adieu aux missions. Oh. Ah, ravi de voir que vous vous entendez à merveille. C'est cela. Je viens à l'instant de recevoir les résultats d'analyse sur la boucle de Sam. Apparemment, c'est du café extra fort qui aurait causé le court-circuit. Alors on ferait mieux de retourner chez Tasse de Rêve, rapido. Oh, moi je vais sauter mon tour et m'occuper des choses plus urgentes. Je n'ai pas encore eu le temps d'exhiber ma nouvelle tenue. Quand je disais sauter mon tour, je voulais pas dire sauter tout court. Si on nous avait demandé notre avis, tu serais pas avec nous. Alors garde tes pleurnicheries pour quelqu'un d'autre. Ils auraient pu vidanger leur jacuzzi. Becca, c'est du café double zéro, torréfaction lente, mocha finement moulu et bien filtré. Dommage qu'il manque une pointe d'arabica. Sam a dû se baigner dans cette cuve, ça expliquerait le court-circuit de son oreillette. Je propose qu'on teste nos secondes peaux. Allons-y. Vous êtes folle, j'adore le café, mais pas à ce point. Oh. Au secours, c'est dégoûtant. Supporter, c'est déjà surhumain, mais si je dois finir couverte de marre, je démissionne. Expulsion. Non. J'ignorais que faire du café était si scientifique. Pas étonnant que le prix au kilo soit si élevé. Oh, ils ont l'air hypnotisés. Oh, venez voir, votre collègue est là. Sam, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Enfin, Alex, tu vois bien que non. Regarde cette cafetière, elle lui injecte du café dans les neurones. Mandy! Quoi? C'est interdit de trouver un moyen de sortir? Quand ça déclenche l'alarme, c'est gênant! Je commence à être fatiguée d'être espionne! Voilà, c'est bon, ils vont l'éteindre, votre alarme! Ok, les copines, je vous laisse régler ce contretemps, je viens de me faire les ongles! Un petit conseil, tu devrais essayer le café décaféiné. En y repensant, j'aurais peut-être dû me méfier. On s'apprêtait lâchement à abandonner ses copines. Ou est-ce que je me trompe? Oh, détrompez-vous, on se connaît à peine. Vous? Je savais que vous étiez derrière ce diabolique plan d'esclavage d'étudiants avec vos grains de café. Vous faites quoi, au juste? Je vais inonder le monde de mon café à la mode super hypnotique et transformer des milliards d'êtres humains en clients éternellement dépendants. Ben voyons, comme c'est original. Peut-être pas, mais moi, je vais y arriver, ma mignonne. Plus mignonne. Bientôt j'ouvrirai les vannes et un véritable déluge de café se déversera dans les rues. Café et compagnie se mordra les doigts d'avoir un jour rejeté ma candidature. Je m'y connais, question café. Par contre, question service clientèle, ça laisse vraiment à désirer. Ah.
excité, mais si en plus ça rend susceptible. Je vous laisse choisir, mocha ou pure arabica. Ça m'étonnerait que je fasse un bon café, on dit que je suis imbuvable. Et moi, trop amère, paraît-il. Ça tourne. Je vous laisse savourer vos dernières minutes. Moi, je monte aux premières loges et assister au spectacle. Bah, Clover, pourquoi tu bouges comme ça? Bah, faut bien trouver un moyen de s'en sortir. Oh, et très vite, de préférence. Cette corde commence à m'irriter dangereusement la peau. Tes suggestions sont les bienvenues, Mandy. Surtout, n'hésite pas si t'as une idée. Eh bien, une lotion apaisante calmerait bien l'irritation, mais comment me l'appliquer les mains liées? Une idée pour sortir de cette cuve! Je suis juste derrière, pas la peine de hurler! Excellente idée, Clover! Essayons de nous balancer jusqu'au barreau de l'échelle! Super, je suis vraiment rassurée, là. Éjection. Le café arrive. Tous à vos tasses, je vais assouvir ma vengeance. Clover? Alex? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et moi, qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que tu fais ici? Attends une seconde, ça va te revenir, malheureusement. Oh, oui, ça y est. Jerry a complètement perdu la tête. On ne sait toujours rien, mais ça fait vraiment plaisir d'être retrouvés. Cette fois, ça suffit. Je rends ma combinaison. On devrait peut-être lui porter secours. Bonne chance. Oh, mes amis, aidez-moi. Je ne boirai jamais plus un espresso de la même façon. Sam, mon ami, Sam, si tu savais. Je suis contente de te revoir parmi nous. Je t'avouerai que moi aussi je suis contente de te revoir, Mandy. Surtout dans cet état. Je ne suis quand même pas à vous en tirer comme ça. Tu ne pensais quand même pas m'arrêter si facilement. Je vais devenir le maître incontesté du café. Les infusions de Tielmont. Tenez, je préfère encore m'habiller en dégriffé plutôt que de revivre ça à nouveau. Dois-je en conclure que cela s'est mal passé? Ah, je veux pouvoir oublier à tout jamais cette désastreuse et humiliante expérience. Aidez-moi à faire sortir tout ça de ma tête. Jerry, faites vite avant qu'elle change d'avis. Sortez le reprogrammateur de mémoire. Après tout, Jerry, peut-être que Mandy a l'étoffe d'une espionne. C'est un filtre à café que t'as sur la tête. Alex, s'il te plaît, toi qui as le cœur sur la main, c'est de leur faire comprendre. Sam, mon ami, ma fidèle amie, ma confidente, aide-moi. Oh oui, un Clover, s'il te plaît. Ne me laisse pas dans cet état lamentable. Jamais plus je ne me moquerai de toi, Clover. Je ferai tout ce que tu veux. Je serai ton esclave. Oh, qu'elles sont mignonnes. Dans certains pays, on met les gens en prison pour des coupes de cheveux pareilles. Béca. Oh, la vie n'est-elle pas merveilleuse? Et comment?